La ville de Cancan retombe dans ses travers. Alors que la desserte du courant électrique s'est fortement détériorée, certains quartiers se voient privés de cette denrée. À cela s'ajoute le manque d'eau dans les robinets. Cette situation jugée difficile a fait révolter les jeunes du quartier Ermakonan 1 ce dimanche. L'un d'eux affirme que malgré la présence de la mère du président, le colonel Mamadi Doumbouya, la situation du quartier va de mal en pire. Cette autre manifestante déplore l'usage du gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Elle fait savoir qu'ils sont sortis juste pour réclamer leurs droits. Les jeunes de ce quartier disent avoir mené des démarches auprès des responsables de Désir pour améliorer la desserte du courant électrique, mais en vain. Pendant plusieurs heures, les jeunes de ce quartier ont opposé une vive résistance aux forces de l'ordre. Ils ont échangé cailloux et gaz lacrymogènes. Il a fallu l'arrivée des renforts pour disperser les jeunes surexcités. On apprend que plusieurs d'entre eux ont été arrêtés et ceux qui sont blessés ont été conduits à l'hôpital de Cancan.